בת השם לזור לסומתנו, ישמעת מרדכי שמיר בן יהודית, וגם מחלוף אליהו בן פרחה. ואלה תולדות יצחק, פתח רבי חייא ואמר, מי מלן גברות אדוני, יש מי הוקיות אל התו, די רבי חייא, אני רוצה להגיד לך חידוש, להלל את השם, je veux remercier השם, et louer השם, למה? היא דית, תחזה, בוא תראה, אני, je veux te montrer quelque chose, viens ici, בוא תחזה, קד באה קודשה בריחו, וסליק בראותי קמל עם עברי, על מה? כאן תקוש ברוך הוא, אילה יוסת אידי, אסת וולונטי דקרי למונד, רצה לברוא עולם, כן? אבא מסתכל בוראיתה, הוא ברא לה. אתה הולך לבנות בניין, tu vas construire quelque chose. Quoi? Tu arrives comme ça, avec un marteau, tu commences à... שולחים לבנות, באים בונים? מה פתאום? צריך פלן. Il faut un plan. Il y a un plan, tu suis le plan et tu construis. Tu mets ça ici, ce mur-là, צריך פלן, נכון? מה היה הפלון של הקדוש ברוך הוא? כן, הייתי לפלון של הקדוש ברוך הוא? התורה הקדושה. לתורה האקזיסטה, לתורה האקזיסטה, 974 גנרציון אבון לקריאסון דה שמונד. אבון כשמונד הייתה קריאה, לתורה האקזיסטה דג'ה. 974 גנרציון. סטה לבלופרינט, סטה לפלון דה מונד. אומר רבי חייא, די רבי חייא, אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? כסקי פיזה הקדוש ברוך הוא? בכל עובדה ועובדה 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 דברה הקודשה בריחו בעלמה אבא מסתכל באורייתה הוא ברא לה לפני שעשה כל דבר רצה לעשות שמיים יבולה פר לסיאל מסתכל כן יאללה שמיים יבולה פר לטר מסתכל ירגרד ארץ יהיה ארץ יבולה קריאה לזנימו ירגרדה וואלה ג'ירפות דה ג'ירף דה זבר דה יקריאה תו הייתה קריאה וכם פלן Il y avait un plan devant Hachem. Et il suivait le plan. Okay? Pourquoi? Pourquoi? Ava mistakel beoraita ou barale. Okay? Pourquoi? Pour que le monde soit adapté à l'étude de la Torah. À l'application de la Torah. Et je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Dans la Torah, c'est écrit, pas Torah katouf, vaya leot al yadecha ul totafot benenecha. Combien de fois ce verset est écrit? Deux fois. On le dit chaque matin, Patach Eliyahu, page 7. Deux fois. C'est écrit la première fois dans le premier passage, Kadesh Likol Bechor, Peter Korechem. À la fin de ce passage, Valeo Teletcha, Ul Totafot Benecha. Là-bas, c'est écrit normal. Yadecha, Yadcha, Vaya Leot Al Yadcha, Yud Dalet Chaf Sofit. Yud Dalet de la lettre Chaf Sofinal. Okay? Deuxième passage. Vaya Im Shamot Ishmoni Mitzvotai. Jusqu'à la fin, va aller à Decha, ou le Totafot Benecha. Regardez là-bas comment c'est écrit. Yadecha, Yud, Dalet, Chaf, He. Lama He. Batchala lo kataftai, au début tu n'as pas écrit. Pourquoi? Chachamim ont appris dans la Torah orale de Moshe Rabbeinu, Yadcha, tu divises le mot en deux. Techale ketzeleshtaim, Yad Keha. Yad Kha, Keha. Mais c'est Keha? Faible, faible. De là on apprend que le tefilim se met toujours sur la main faible. Qu'est-ce que c'est faible? Tu es droitier, c'est quoi ta main faible? Gauche, alors on met à gauche. Tu es gaucher, qu'est-ce que c'est ta main faible? Droite, tu mets à droite. Tu comprends? C'est de là qu'on apprend ça. Mais une seconde, est-ce que tu as une oreille faible? Est-ce que tu as une oreille faible? Est-ce que tu as un pied faible? Non. Pourquoi rien que dans la main, Hachem a fait la distinction entre la droite et la gauche? Une main faible. Vous savez pourquoi? Parce que dans le blueprint, qu'est-ce que c'est écrit? Vaya leot al yadecha, yad kea, tsarich shiyadecha tiyach halasha, bishi shiyasim tfilim. You follow the blueprint. Tu suis le blueprint. Le blueprint, il dit... une main faible. Ah, ok, alors, n'achève boré Adam, boré lo yad chalasha. En aïn chalasha, en ozen chalasha, rak yad chalasha. Tu comprends? Après, dans le même ordre d'idée, qu'est-ce qu'il dit le blueprint? Ul totafot ben enecha. Ul totafot ben enechem, d'accord? Qu'est-ce qu'il dit le blueprint? Le tfilim ben enechem. On le met pas ici, on le met pas sur le front, on le met plus haut que la ligne de cheveux. Plus haut que la ligne de cheveux. Okay?
Où c'est écrit ça? C'est écrit à Goïm, à El Minag, les Goïm avaient une coutume. Chez Mishua Niftar, quand quelqu'un mourait chez le Goïm, Taïkzdro, il se graffinait. Il graffinait avec des couteaux, il coulait du sang. La Torah te dit, Lo tikrechu kocha ben enechem lamet. Oy va avoy. Shelo ta'asu azatem yudim asur lachem la'asot zeh. Ne regardez pas cette coutume. Has v'shalom. Ne préparez pas. Ne vous graffinez pas. Atem bnei ha'melech. Vous êtes le roi de. Vous êtes le fils du roi. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Et ma katouf? Lo tikrechu kocha ben enechem. Efem ayub. Sortim tatzmam. Où il s'est graffiné? Il s'est graffiné au de la ligne de cheveux. Makatouf, vaïnu totafot ben, enechem. Enechem, enechem. De là, on apprend que les téfilim ne sont pas sur le front. Ils sont au-dessous du front. Ça veut dire sur la ligne de cheveux. Okay? Maintenant, la question, regarde les poissons. Où est-ce qu'ils ont les yeux? Sur le côté. Il y a des animaux qui ont les yeux sur le côté. Comment ça se fait qu'Hachem t'a fait symétrique? Tu as un visage, deux yeux, un nez, une bouche, deux oreilles. Okay? Les oreilles sont sur le côté. Les yeux ne sont pas sur le côté, ils sont ici. Pourquoi? Parce que le blueprint, le plan, qu'est-ce qu'il dit le plan? Ul totafot ben enecha, ul totafot ben enechem. Dans ce cas, il faut créer les yeux au centre du visage, un à côté de l'autre, pour que le téfilim soit entre les deux. Tu comprends? Zema Shomer Rabbi Chia dit que le blueprint, c'était le plan du monde. Alors, Akosh Baruch Hu a créé ce monde pour qu'il s'adapte à la Torah. Et tout ce qu'on fait dans ce monde, c'est le blueprint. C'est comme ça qu'Akosh Baruch Hu l'a créé pour qu'on suit le plan divin. Baruch Adonai Leolam. Amen ve amen.